Bonjour, bonsoir à tout le monde. Bienvenue encore sur la chaîne. Avant de commencer, je remercie chacun des gens qui abonné à la chaîne. Continuez, partagez la vidéo, abonnez, like, commentez. Franchement, ça fait nous vraiment, vraiment plaisir. Jean-Noël, là, nous parlons de l'épisode jeudi. Et je connais ces bagages qui prennent plus de temps pour nous faire et faire manger ces épices. Donc vraiment, je conseille de nous faire épices des pieds à l'avance, pas seulement pour Corona, pour éviter nos sorties, mais dans la vie de tous les jours, même les baguettes Corona, faire épices nous à l'avance, pour ça nous fait manger nous bien bien rapide. Et pour nous faire épices, moi-même, je vais utiliser poireau, l'ail qui c'est base épices là, ensuite je vais utiliser poivron, persil, poivre et puis clou, girofle, et puis mettre ma gladane pour les kagen goût. J'en ai kawé à moi qui coupé poivron. J'ai déjà coupé un petit morceau pour le cas plus facile pour moi pour me blender. Mais là, elle m'a quitté le conseil parce que pas de problème pour la blender facilement. Là, quand on va couper persil. Donc persil yo jan ouwe a li pa tan kou, li peut-être pas tan kou sa gay parce que gen différents types de persil. Donc moi couper les pieds, moi pas laver tout bagay yo, m'a bay yo deux de l'eau comme nous connaissez corona, nous pa jam trop prudent. Donc m'a bay yo deux de l'eau pour m'ka bien bien laver yo. Quand on va l'attaquer avec poireau, on va commencer à couper tête là, ensuite on va couper cœur parce que cœur a toujours un petit peu fin. Ensuite on va couper en deux morceaux pour le cas plus facile pour moi pour me laver. Et puis ça quand l'air ça en blanc, moi pas besoin couper en deuxième fois, mais par contre ça quand vert là, m'a prêté aux feuilles parfaites parce que y a toujours une terre dedans pour me cas bien bien nettoyer. Ensuite on va couper ça en blanc en deux parties, puis on va couper en petite partie pour le cas plus facile pour moi pour me blender. Premièrement, je vais vider l'huile pour me blender. Tout le monde connaît des gens qui utilisent de l'eau, mais moi-même, besoin d'épices là pour conserver pendant un bon petit temps. Donc, on utilise l'huile pour conservation et puis cela. Si nous-mêmes, nous voulons rajouter de l'eau, nous mettons rajouter de l'eau. Si nous voulons rajouter l'huile, c'est j'en ouvre. Tout le monde fait le façon paillot. Là, je vais rajouter un petit magui pour un petit goût. Et je vais rajouter sel en plus. Même pas mettre un peu de magui, mettez juste 2 cubes de magui. Magui qui est tout petit, voilà, mettez 2 cubes là-dedans. Et puis, moi, mettez poivre noir. Ensuite, je mettais clou girofle là-dedans. Par contre, je mettais tout ça. Dis-moi dans les commentaires, Léna fait épice, nous, si je mets tout ça là-dedans. Là, je mettais sel. Je couvre tout et puis nous allons commencer à blender. Je ne vais aller vraiment très très facile pour faire puis la caillou des pour ingrédients déjà c'est juste couper au mettre dans blender mettre l'huile ou bien bleu j'en ouvre là et puis nous blender et puis les bonnes épices. La bague pour être fait mal bague mais fait mal là c'est juste blender à cap travail pour nous. Et puis tout autant la blender, pas hésiter pour une cuillère pour aider épices la descendre pour toute bagaille qu'à blender. Donc voilà, épices moi fini, nous est pâte là. Il y a quelques petits morceaux là dedans, il est vraiment pas gênant. Qu'on y a, mettez le dans un bocal. Pour les cas conserver et puis mettre dans le frigidaire mais si ne pas frigidaire c'est pas un problème je ne dis non
depuis nous mettez l'huile, nous faisons avec l'huile, la préserver. Merci à vous-même qui te prend temps pour te regarder la vidéo. Ça, pas oublier quitter un commentaire pour nous avant d'aller. Abonnez à la chaîne sur pot qu'on fait ça. Bye vidéo en like si vous te remel. Et puis après dans la prochaine vidéo. Bye.